Bien plein petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau jeu qu'on n'a jamais fait et qu'on doit faire depuis longtemps, un infiltré. Je vous explique juste après générique les règles. De toute manière, on va découvrir, faire une partie pour du beurre et qu'ensuite, vous allez comprendre, mais c'est un jeu simple en fait. Hein. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le cas, n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. C'est parti, l'infiltré. En début de partie, des rôles sont distribués aléatoirement pour 4 à 8 joueurs, désignant un maître du jeu, un infiltré et tous les autres joueurs sont alors des citoyens. Le maître du jeu a pour but de faire deviner un mot secret en répondant uniquement par oui ou non, ou je ne sais pas, aux questions des citoyens, plus infiltré. Les citoyens disposent de 5 minutes max pour trouver le mot secret, mais la subtilité est dans le fait que l'infiltré connaît également le mot caché. C'est donc à lui d'orienter les questions du groupe, d'influencer la réflexion générale, voire même de donner la bonne réponse sans se faire démasquer. Si le mot n'est pas trouvé, toute l'équipe perd. Si au contraire le mot est découvert, alors se pose la question, est-ce que le joueur ayant trouvé la bonne réponse est l'infiltré? Les joueurs débattent en discutant des questions posées, du timing, etc. Puis ils votent contre le joueur en question. Si c'est l'infiltré et que la majorité l'accuse, les citoyens gagnent. Si c'est un citoyen et que la majorité l'accuse, l'infiltré gagne. C'est qui le maître du jeu du coup? C'est Arman. Ah oui, maître du jeu. Du coup, on doit poser quelque chose. Moi, il y a écrit, hein, il y a écrit chercheur. Comment ça se fait? Ah, mais parce que je dois chercher. Surtout. Oui. Bah non, mais c'est pas moi qui ai le mot. C'est Arman qui a le mot. Ok, ok, ok. Je commence. Maître du jeu. Maître du jeu. Est-ce que c'est un objet ou un humain? Bah, c'est pas oui ou non. Hein. Est-ce que c'est un objet? C'est un objet. Arman, c'est un objet ou pas? Non. Ok. C'est un humain? Non. C'est un animal? Non. C'est vivant? T'as dit quoi? C'est vivant? Je sais. Non, non, non. Est-ce que c'est un verbe? Non. Est-ce que tu connais le mot? Oui. Arman, est-ce que ça a un lien avec la médecine? Non. Attends, c'est quoi sa question? Oh, c'est chaud, frère. Attends, est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît tous ou pas? Oui. Est-ce que c'est dans le gaming? Non. Est-ce que c'est dans la vraie vie? Oui. Est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on aime bien ce truc-là ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on peut le toucher? Oui. Est-ce qu'on peut le manger? Non. Est-ce qu'on le rencontre souvent dans la vie de tous les jours? Ou est-ce qu'on utilise souvent ce mot? Non. Est-ce que ça a un rapport avec une pierre? Non. Est-ce que c'est quelque chose de très gros? Ah mais attends, je suis trop con, moi j'ai mis... Ah, c'est bon les gars, on a un oui. Est-ce que c'est quelque chose de très gros? Oui. Ok. Est-ce que c'est plus gros qu'un humain? Oui. Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est sur la Terre? Oh. Oui. Ok, est-ce que c'est quelque chose qui fait plus de 1000 kilos? Genre une tonne? Oui. Okay. Une voiture? C'est pas un animal. Les gars, c'est pas un objet, donc un truc genre un porc, un truc comme ça, tu vois. Un porc, P-O-R-T. Un truc dans le genre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut escalader? Est-ce que c'est un lieu? Oui. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut escalader? Non. Est-ce que c'est un pays? Oui. Est-ce que c'est en Amérique? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est en Europe? Non. Est-ce que c'est en Amérique? Oui. Amérique du Sud? Non. Amérique du Nord? Attends. Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que tu peux demander le... Les gars, faut écrire quand vous avez des trucs. On a des tentatives apparemment. C'est le Sud. C'est le Sud, je suis désolé. Oh, c'est Argentine. Hein, quoi? Comment t'as trouvé Argentine, Dobby? Bah c'est ça, en fait, c'est trop long le jeu. Mais attends, mais du coup, là, on doit voir si Dobby est infiltré. Bah comment on peut savoir? Bah parce que, tu sais, il a posé des questions, ouais, c'est un pays direct, ou tu vois, un truc comme ça. Mais il a pas dit grand-chose, donc ouais... quand il a parlé, il a dit un pays. J'avoue, il est tout de suite positionné. Mais je vais vite, mais... Bah, mais de toute façon, c'est une partie pour du beurre. Mais moi, je pense Argentine direct, c'est gros quand même. Il était infiltré, tu vois. C'est sûr. Mais en fait, tu sais pourquoi j'ai posé le... Est-ce que ça a un lien avec la médecine? Je pensais qu'on connaissait le mot, nous. Et que du coup, le mot, c'était chercheur. Non, non, on est chercheur, en fait. Lui, il a écrit infiltré, du coup. Et du coup, là, il a gagné parce qu'il y a eu la majorité qui ont cru... Ok. C'est bon, vous avez tous compris. Mon but, en fait, écoutez, en tant qu'infiltré, mon but, c'est de lui poser les questions qui sont en rapport avec le mot. Et comme ça, il va m'aiguiller vers le mot. Moi, je le connais. Et au dernier moment, vu que je le sais, je vais mettre Argentine. Et si au final, mes questions... était bien, vous allez dire, je suis un chercheur, tu vois. Ouais. Ok. Ça, c'est encore Arman. Le maître du jeu, c'est un lien avec la médecine? Non. C'est un objet? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vivant? Oui. Est-ce que c'est une plante? Est-ce qu'il est à moitié mort? Non. Arman, il dort sur le PC. Est-ce que c'est un truc de dessin animé ou pas? Non. Est-ce que ça sent bon? Toi, t'es clairement un putain d'infiltré, toi. Est-ce que t'as déjà senti? Non. Est-ce que ça vit plus de 10 ans? Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est un humain? Une plante? Je sais pas. C'est une plante? Attends, tu m'as dit ça vit pas plus de 10 ans. Est-ce que c'est fictif? Si, ça vit plus de 10 ans. Non. Est-ce que c'est quelque chose de réel? On connaît... Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît tous? Attends, ça vit plus de 10 ans. Donc c'est pas le petit Grégory. Non, non, c'est pas... Est-ce que
Attends, putain, c'est dur en vrai. Est-ce que t'en as... Est-ce qu'on t'en a déjà vu en vrai? Oui, je crois. Est-ce que moi j'en ai déjà vu en vrai? Je pense. Mais comment ça tu crois? Comment ça tu penses, tu crois? Est-ce que c'est une activité? Bah frère, c'est quoi ces réponses aussi? est-ce qu'il est mort ou je sais pas? Est-ce que... Attendez, du coup on récap. C'est pas vraiment un humain, c'est pas un animal. Il est pas vraiment mort, c'est pas vraiment une activité. Tu trolls. Ça a pas de rapport avec les chevals. Non. C'est pas un insecte. Non. C'est pas un animal. C'est pas un animal. Bah du coup les gars, c'est mais peut-être. Ouais, est-ce que c'est un. Est-ce que c'est un mot, un verbe? Est-ce que l'infiltré peut nous aider? Parce que là. Je peux. Une seule question s'il vous plaît. Excusez. Est-ce que c'est une profession? Oui. C'est un métier. Ok. Est-ce que c'est infiltré? Est-ce que c'est un métier dans l'informatique? Non. Est-ce que ça gagne beaucoup d'argent? Et ouais. Est-ce que c'est connu? Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est un métier physique ou pas? Non. Est-ce que c'est un métier qui... Genre tu restes toujours derrière ta chaise? Non. On a combien de tentatives les gars? J'ai pas. On a dit est-ce que c'est connu? Non. On dit tellement de trucs les gars, je me sens. Est-ce que c'est un métier artistique? Oui. Est-ce que c'est un sport? Non, c'est pas un sport. Est-ce que c'est un métier manuel? Est-ce que c'est un métier où t'es connu? Oui. Est-ce que t'es footballeur? Ah bah non, c'est pas un sport. Non. Est-ce que tu peux vendre? Est-ce que tu crées quelque chose? Non. Oh, Vas-y. Est-ce que t'es sur YouTube? Oh. Acteur. Ouais. Là, faut qu'on réfléchisse. Il a parlé de quoi? En vrai, il a pas posé beaucoup de questions. Ouais. Acteur, ce serait un truc un peu logique. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas regarder ce qu'il y a écrit avant. En fait, il a beaucoup de tentatives. Artiste, mais qui crée rien. Ouais, j'ai mis chanteur, star. Moi, je dirais que c'est pas l'imposteur. Si. Moi, je pense pas que je suis l'imposteur. Ouais, je dis que si. Pour moi, c'est un imposteur. Pour moi, c'est un imposteur. Il a rien dit, mais. Vas-y, je mets oui, mais vous faut. C'était sûr que c'était voilà, Tiens, c'était Valouz, les gars. Mais frère, en vrai, c'est pas évident parce que j'ai dit un truc, je me suis fait sniper instant par Dobbs. On peut changer le maître du jeu ou pas? Val, on est d'accord qu'il y a parfois il y a des questions que tu peux pas trouver. Ah, c'est dommage. Attends, comment ça, j'ai pas eu de points, j'ai trouvé le mot? Mais parce qu'en fait, il y a eu la majorité qui a dit que t'étais infiltré. On a tous dit que vas-y, c'est parti. Dobby, c'est un objet ou pas? T'aurais dû te défendre. Dobby, c'est un objet? Non. C'est un humain. Est-ce que c'est vivant? Ouais, c'est vivant ou pas? Oui. Est-ce qu'on connaît tous ce truc? Oui. Est-ce que c'est un animal? Oui. Est-ce que ça vit dans l'eau? Non. Ok, donc c'est sur terre. Est-ce que ça vole? Les gars, je peux dire un truc? Vas-y. Miku, il a vachement pris de lead sur cette game. Hein. Bah, depuis tout à l'heure, il prend le lead en vrai. Est-ce que c'est une race ou c'est un. Oh non, je vais dire vous, c'est un type, mais. Ouais. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà tous touché ou pas? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà tous vu? C'est un animal en France? Je peux pas répondre. Non. Est-ce qu'on le voit dans des eaux? Oui. Ça vole? Est-ce que c'est en Afrique? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui fait moins de 100 kilos? Je peux pas répondre. Est-ce que c'est grand? Pareil, je peux pas répondre. Hein? Pourquoi je peux pas répondre? Bah, tu dis oui, non. Oui et non, je vais vous dire quoi? Oui et non, oui non, oui non. Allez. Ok. Donc ça peut vas-y, être si vous voulez, je vais vous dire ça à chaque fois, moi. C'est comme ça. Est-ce que c'est un éléphant? Non. Non pour. Est-ce qu'on en a vu en Afrique du Sud? Oui. Est-ce que c'est un animal de la savane connu? Non. Est-ce que c'est un animal ou un insecte? Est-ce que c'est un insecte? Non. Oh, un singe. Oh, singe. Ouais, moi je pense qu'il a tenté random. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est pas un infiltré. J'en ai fait 4. Et en vrai, il a pas pris du tout le lead. Hein. Non, c'est Miku. Pour moi, il l'est, ouais. Oh, le bâtard. J'ai voulu tout enculé. Moi, salam alaikum. Mais en plus, t'as rien dit. Bah, si, j'ai dit est-ce que c'est un animal? En fait, c'est logique parce qu'au bout d'un moment, un animal, zoo, on a tout. Ah ouais, vois, j'avoue, là, c'était. Pour moi, là, il était simple le mot pour lui. Il est marrant. Oh, je suis imposteur. Oh, c'est Miku. Est-ce que c'est vivant? Ça a un lien avec la médecine? Non, pas vivant. Est-ce que c'est un verbe? Non. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est une activité? Non. Est-ce que c'est un lieu? Non, non. C'est un métier? Non. C'est un endroit? C'est réel? Oui. C'est sur Terre? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte? Non. Tu peux le toucher? Oui. C'est en France? Oui. C'est d'où? Non. Est-ce qu'il y en a? Non, mais c'est d'où en France, quoi? Je le touche tout le temps? Est-ce que je le touche tout le temps? Genre, est-ce que ça met pieds? Non, non. Est-ce que t'en as chez toi? Non. Est-ce que ça a des ongles de pied? Non. Est-ce qu'on en a déjà vu? Oui. Ça se visite? Oh. Non. Est-ce que tout le monde l'a? Non. Trop dur. C'est dans la rue? Genre, c'est un. Non, pas dans la rue. Comment ça s'appelle? La terre, l'eau, le feu? Non. C'est un élément, tu veux dire? C'est dans une maison? Non. Est-ce que c'est dans un parc? Oui et non. Dans une forêt? Non. Ça s'achète? Peut pas dire. C'est trop compliqué, vous verrez ce qu'on va. C'est quoi la question? Ça s'achète, oui et non. C'est un monument? Bah, c'est pas un truc de ouf, quoi. Oui. Genre, est-ce qu'on en voit une fois par semaine? Non. Attends, c'est un monument? C'est une activité? Non. Non, non, pas monument. C'est pas une activité? Attends, Dobby, à moitié. Est-ce que ça. C'est une activité? À moitié, c'est. Est-ce que c'est une passion? Non.
C'est du foot. Bah non, c'est pas du football, sinon j'ai ouais, c'est trop dur. Ouais. Attends, c'est un mot. Le mot est dur. Non, non. Pour moi, c'est l'équitation, hein, moi, c'est du sport. C'est une activité ? Non. Non, c'est même pas le type de ce que c'est. Est-ce que c'est un état ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve en ville ? Bon, oui, non, partout, pour vous aider un peu. Mais c'est spécifique à la France ? Non. Ah, pourquoi ? Ah oui, donc on en a en France. Est-ce que genre on marche dessus ? Non. Est-ce qu'on en a besoin pour vivre ? Non. Est-ce que ça nous entoure au quotidien ? Non. Est-ce que c'est utile ? Vas-y, votez tous. Il est dur, il est dur, il est très dur. Votez tous. Non mais les gars, il a ruiné la game, il a ruiné la game. Pourquoi ? Bah gros, j'ai posé toutes les questions qui sont en rapport avec le mot, il disait non, 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 non. Bah gros, tu m'as dit quoi ? Bah je t'ai demandé si c'était par rapport au foot, tu dis non, je t'ai dit est-ce que c'est dans des bâtiments, tu vas dire. Bah les gars, mais non le ban, par rapport au foot, je t'ai dit oui. Non, t'as dit non, j'ai dit est-ce que c'est par rapport au foot. Les gars, comparez le mot singe et lucarne. Les gars, venez en bannir, bannir Nico, les gars. Je t'ai demandé si c'était dans les maisons, une lucarne de maison, t'as dit non. Ah ouais, mais moi j'étais focus sur lucarne. Ok, c'est moi le maître du jeu. Lucarne de football. Une question par une personne. Il y a eu football. Venez, on fait chacun notre tour. Vas-y, je commence. Bah, tu sais, genre, c'est moi le premier à gauche là, non ? Ouais, vas-y. Est-ce que c'est vivant ? Non. Est-ce que c'est dans la vie courante de quelqu'un ? Bon, pas de la tienne. Est-ce que c'est gros ? C'est en rapport avec le sexe ? Non, c'est pas gros. Est-ce que c'est vivant ? Non. Mais t'as dit la même question que moi, Mathis. Oui, oui. C'est ça tes questions ? Mon cerveau, il a déjà vu. Oui. Oh. Est-ce qu'on continue si on a une bonne question ? Est-ce que ça existe ? Oui. Est-ce que c'est un lieu ? Non. Est-ce que c'est une personne ? Oui et non. Mais non. C'est un acteur. Est-ce que c'est quelque chose qui a disparu ? Non. C'est un métier ? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas un métier. Du coup ? Je sais pas. Est-ce que c'est fictif ? Non. Putain, je l'ai déjà vu, c'est pas fictif. Arman ? Attends, je vais poser la question, j'ai rien. Vas-y, Alex. Est-ce que ça bouge ? Oui, ça bouge. Est-ce que c'est coloré ? Ça peut. C'est sur Terre ? Oui. En France ? Attends, ça mate tout. Ah, je sais pas. On a pas le choix, on fait comme avant là, c'est. Non, c'est long. Vas-y, faites ça. Vas-y, ça s'achète ou pas ? Oui, ça s'achète. Ok. C'est ce que j'avais demandé. C'est un animal ? Non. Il y en a en France ? Oui. À Rennes ? Oui. Est-ce que c'est un robot ? Non, c'est pas un robot. On en achète souvent ? Non, t'en achètes pas souvent. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique ou pas ? Oui. On l'achète pour la maison ? Non. Ça s'achète partout ? Non. En magasin de bricolage ? Non. Attends, chez LDLC ? Non. Est-ce que c'est pour réparer ? Non. Ça va dans la cuisine ? Non. C'est cher, ça va dans la chambre ? Une grande cuisine. Hein ? Ça va dans la chambre ? Non. C'est cher ? Cher, c'est une grande cuisine. Oui, c'est cher. Ah putain, merci. Est-ce que tu peux mettre des choses dedans ? Pas beaucoup. Ça va dans la maison ? Non. Ça va à l'extérieur de la maison ? Oui. Est-ce qu'on n'est pas loin ? Ça sert à se déplacer ? Il y en a un qui est pas loin. Ça sert à se déplacer ? Oui. Oh. Oh frère, j'ai mis une voiture. Ça sert à se déplacer. Ça a deux roues ? Plus. Ça a quatre roues ? Ouais. Est-ce que c'est... C'est motorisé ? Oui. Attends. Mais wesh. Je sais même pas qui est l'imposteur. On en a tous une ? Non. Est-ce que moi j'en ai une ? Oh. Attendez, laissez-moi parler. Mais Lamborghini, c'est fou. C'est comme si tu mettais Clio, pour quel moment. Attends, laissez-moi parler. J'étais en train d'écrire. J'ai écrit scooter, T-Max, j'ai écrit Bugatti, j'ai lâché Lamborghini. Il a dit c'est cher. Je me suis dit... Attends, mais moi je comprends pas pourquoi il a dit... C'est cher, c'est une grande cuisine. Les gars, Arman est complètement con et du coup il aurait pas développé. Juste comme ça, quelqu'un peut réagir sur ça coûte cher si t'as une grande cuisine. Non, ça rentre dedans si t'as une grande cuisine. Ah, non, j'ai même pas entendu. Putain, mais du coup, attendez, là ça fait combien ? Ça fait 4 contre 2 ? Oh, vas-y, vous mettez le 2, c'est moi qui dois choisir. Lamborghini, frère ! Mais non, mais dans tous les cas, ça fait
Pour moi, il est infiltré. En fait, oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah là là. Ah, c'est toujours Valou, mais c'est une dinguerie. Attendez. Les gars, je savais pas que j'étais infiltré, la vérité. Mais il est écrit en le mot. J'ai pas vu, j'étais trop dedans, gros. Mais du coup, t'as mis quoi? T'as mis l'été? Mais non, j'ai rien mis, gros. Non, mais là, t'as mis le lait ou pas? Oui, j'ai mis le lait. Oh non, ma mère, il est trop bien le jeu. Par contre, le jeu, il peut être bien, en vrai. Là, maintenant qu'on connaît. Il est bien. Allez, go. C'est que j'ai sorti Lamborghini. C'est mais tous mes trucs du jeu, non. Est-ce que ça a un lien avec la médecine? C'est quoi votre bail avec la médecine, les gars? Non, c'est pas les chercheurs. Ok, est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est vivant? Bah oui, du coup. Non. Est-ce que ça coûte cher? C'est un lieu? Excuse-moi. C'est un lieu, ouais. Est-ce que ça coûte cher? Non, ça n'a pas de prix. Est-ce que c'est un pays? Oh, c'est Carreau. C'est pas un pays. Est-ce que c'est un lieu genre. Bah, les gars, je vous dis que c'est pas Eva. Pardon? Est-ce que c'est un parking? Non, c'est pas un parking. C'est un monument? C'est pas un monument. C'est une ville? Non. C'est dans une ville? Un quartier? Non. Est-ce que ça pèse lourd ou pas? Ouais. C'est l'eau? C'est dans non, l'eau? C'est pas de l'eau. Non. Est-ce qu'il y en a dans toutes les villes? Non. Est-ce qu'on en a besoin? Non. C'est lié à une activité? Non. Est-ce que t'as déjà été? Est-ce que ça se visite? Est-ce que c'est je pense pas que ça soit visitable. Je sais. Est-ce que c'est à base d'eau? Non. Je pense pas. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Oui. C'est unique? On l'a déjà vu. C'est unique, oui, c'est unique. Est-ce que c'est un monument? C'est unique, on l'a déjà vu tous. C'est pas un monument. Oui, tout le monde l'a déjà vu. Est-ce que c'est dur? C'est dur, ouais. Est-ce que c'est sur Terre? Genre sur la planète Terre? Non. Attends, t'as dit quoi? C'est pas sur Terre? Non. Vas-y, frère. Ah, c'est pas sur Terre. Est-ce que c'est dans l'espace? Ouais. Mais tout, c'est à toi de valider. Est-ce que c'est une planète? Faut que tu lises les mots de tout le monde. C'est une planète. Bah ouais, bah ouais. Oh le bâtard. C'est sûr, frère. C'est sûr, mais t'as eu la bonne. Bah, c'est... Frère, c'est pas sur Terre, c'est une planète, gros. Putain, mais on voit pas s'il a mis d'autres mots avant, parce que s'il a mis Jupiter en premier. Non, j'ai mis Mars-Pluton juste avant, tu veux savoir. J'ai mis Mars-Pluton-Jupiter. Ouais, mais il a fait ça pour nous. C'est un imposteur, c'est un. Les gars, j'ai été imposteur. C'est un imposteur. Les gars, c'est pas sur Terre. De toute façon, c'est pas sur Terre. C'est pas planète. Allez, casse-toi là. Et il a cru nous la mettre, on joue à mon. Ouais, j'ai mis Pluton, j'ai mis Mars. Pluton, c'est pas une planète. Oh lui, vas-y, m'a saoulé déjà, lui. Vas-y, là. Ok, je vous écoute, les amis. Est-ce que c'est humain? Non. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que. Non. C'est un objet? Non. Un lieu? Sur... ouais. Un sur monument? Terre. Hein? Sur Terre? C'est sur Terre? Oui. Est-ce que ça se visite? Un monument? Ça se visite, oui. Monument? Est-ce que c'est lourd? Oui, c'est lourd. Monument? Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est un putain de monument? J'ai fait 50 fois la question, il me répond pas. Non, c'est pas un monument. Est-ce que c'est unique? Non, c'est pas unique. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs? Oui. Est-ce qu'on l'a tous déjà vu? Je pense. Est-ce que c'est un lieu agréable? Oui. Il y en a en France? Oui. Bah, en vacances là-bas? Ou plusieurs? Un seul. Non, ok, hein, donc les autres, c'est dans... Du coup, les autres, c'est à l'international. Oui. Ok. Attends, il n'y en a qu'un en France? Un fleuve? Enfin, merde, pardon, c'est de l'eau? Non. Attends, quoi? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est entouré d'eau? Non, je pensais que vous y étiez, mais pas du tout. Ah, moi aussi, j'ai pensé à la capitale. Du coup, on prend du plaisir, c'est ça? Oui. C'est une attraction? Oui. Oh, bâtard. Moi je dirais un poster. Après, attendez, non, pour moi il est pas un poster. Bah, je pense que Dobby il voulait lead et il s'est fait avoir. J'ai pas, en fait il a dit attraction et pile au même moment il a trouvé, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est Dobby et c'est lead. Franchement, Lucas qui trouve Disney, c'est Barjo, hein. Après, Dobby avait des très bonnes questions qui menaient rapidement. Bah, en fait, dès que Valouz il a dit ça, je suis juste penché là-dedans. Pour moi c'est Dobby. Moi je crois que je suis un poster. Pour moi c'est Dobby aussi. T'es un poster, Lucas? Non. C'est quoi ça, votre finale? Ah, c'est pour savoir, dire qui est l'imposteur. Ah, parce que du coup, ok, on a eu égalité. Ah, parce que c'était pas lui? Bah, pour moi, c'est Dobby, du coup. Ouais, je pense que c'est Dobby, ouais. C'est Valouz encore. Tu parles plus, Dobby? Les gars, c'est encore Valouz, on s'est fait avoir comme en des fait, bleus. J'ai pas compris pourquoi ça fait ça. Mais parce qu'en fait, il y avait égalité. C'est parce qu'il y avait égalité. Non, c'est parce qu'en fait. Il va y avoir marqué Dobby a été éjecté.
Voilà, ah, c'était Dobby. Parce que Lucas était bien pas infiltré. Ouais, donc voilà, raison, c'est qu'on a dû après, voter. Trop fait vrai. Mais oh, c'est trop bien, ça. Disney, bien, ça, ouais. Je l'ai plus mené vers Disneyland que Disney, quoi. Ok. Oh, let's go, je suis trop du jeu. Allez. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est un lieu? Non. Est-ce que c'est quelqu'un? Non. Est-ce que c'est un pays? Un métier? Bah non. C'est non. Pas vrai. C'est un métier? Non. Est-ce qu'on a tous déjà vu? Oui. Est-ce qu'on a tous déjà vu? Il a dit oui, c'est un sport? Non, non, j'ai dit tous déjà vu. Okay. Est-ce que c'est un état? Genre un état, ouais. pas un pays, un état genre. Est-ce que c'est des fesses? Non. Ça se touche? Oui. On l'a déjà touché? Est-ce qu'on l'a tous? Attends, on l'a déjà touché. Est-ce que ça nous permet de vivre? Est-ce que c'est genre la bouche? Oui. Est-ce que c'est un téton? Non, est-ce que c'est une partie du corps? Non. Ah. Attends, on a déjà touché. Est-ce qu'on en a c'est besoin pour vivre? Oui. Est-ce que c'est une partie du corps? Non, toujours pas. C'est pas de l'eau. Bah non, est-ce pas. Que c'est dans nous? Non. Est-ce que ça concerne les humains? Non. Est-ce que ça concerne les animaux? Oula. Que... Bah, en soi, ça concerne tout le monde, mais... Est-ce qu'on aime bien ce truc-là? Oui. Okay. Oui et non. Tu sais que c'est à toi de valider, hein, frérot. Non, ouais, non ouais. Ça valide auto, c'est un mec Melmo. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Oui, c'est un mec. Alors, Herman, il a marqué Lamborghini, j'ai dû cliquer. Hein. Oui, mais parce qu'il avait mal écrit. Ouais, ah. Ouais, je l'avais mal écrit. Là, en tout cas, je l'ai pas vu. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on n'est pas loin dans les mots qu'on a écrits? Oui, oui, oui. Attends. J'ai dit que c'était un état. Un état. C'est le bonheur. Oh. Pff, allez, vas-y. C'est un état. Allez, c'est pas un état, la pluie. Attends, vous avez besoin de ça. Ah, genre, il pleut. J'ai mis soleil, gros. Dégage. Vas-y, les gars, vas-y. Mettez ouais, tout. J'avais déjà vu soleil, c'était bizarre. Mais alors, vous êtes sérieux ou quoi soleil, ciao. Non, moi aussi, j'ai mis soleil, Valouz. Non, mais c'est bon, en tout cas, il est bon. Ciao. Allez, mais c'est trop Valouz. C'est obvious. Mais c'était trop dur, frère. C'était trop dur. C'était trop chaud, frère. Putain. Mais vas-y, je suis chercheur. Oh, première fois. Pas une fois, j'ai pas été chercheur. Est-ce que c'est une pyramide? Non. Est-ce que c'est un objet? Oui. Est-ce qu'on aime bien? Bah, ça dépend. Est-ce que c'est un objet qui se touche au quotidien? Oui. Pas forcément au quotidien, mais oui, ça se touche. Est-ce que j'ai déjà touché? Oui. Est-ce que c'est une couche? Est-ce que c'est une couche pour le petit MJ? Non. Ça s'achète? Oui. Ça coûte cher, Est-ce que ça s'achète partout? Ça peut être cher. Est-ce qu'on ça en peut... a... Non, pas partout. Okay. Est-ce que le ça prix varie dans un concessionnaire auto? Non. Est-ce que je peux le mettre dans ma cuisine? Oui, si tu veux. Lamborghini. Est-ce que ça sert dans la maison? Non. Ça sert pour l'extérieur d'une maison? Non. Ça n'a rien à voir avec la maison? Ouais, ça n'a rien à voir avec la maison. Est-ce que c'est un plaisir utile ou agréable? Est-ce que c'est un plaisir utile? Oui. C'est un plaisir? Comment tu sais que c'est un plaisir? Bah, mais c'est même pas forcément un plaisir, c'est un objet quoi. Mais de toute façon, c'était mettre du jeu, t'as besoin de te justifier, c'est surtout à l'autre qui disait ça. C'est un objet, du coup ça se met. Regarde, c'est Michel Poster. Il a mis Godmiché Sextoy. Est-ce que. C'est pas ça? Est-ce que ça nous sert à nous les hommes? Enfin, les humains, pardon. Bah. Oui, mais non. Enfin, c'est pas vital quoi, mais ça peut servir. Est-ce que du coup, c'est... ouais, mais du coup, est-ce que c'est motorisé? Oui. Enfin, okay, motorisé, c'est. Les gars, t'es Dobby. Après, motorisé, pas comme une voiture. Hein. Motorisé, c'est un V2. C'est mécanique. Oui. Enfin. Électrique. Oui. Enfin, oui. Est-ce que c'est un objet qui est forcément. Est-ce que c'est un bolide allemand? Non. Est-ce que moi j'en ai un? Non. Sûrement. Ça a 4 roues? Non. Ça a 2 roues? Non, mais c'est pas un patron. C'est un patron. Moi, je déplace pas avec. Non, tu déplaces avec. Est-ce que ça coûte moins de 500 euros? Ça peut coûter moins comme plus. Est-ce que c'est une polo? Non. Est-ce que ça se porte? Oui. C'est des vêtements, du coup. Est-ce que globalement, ça coûte plus de 1000 euros? En moyenne. C'est trop dur à dire. Ça peut coûter. Ça peut coûter de 50 à 5000. Ça s'achète dans un magasin de vêtements? Non. Ah, bâtard, j'ai mis Udi balancé. Ça s'achète dans un boulanger, tout ça? Boulanger, genre. Boulanger, le magasin? Oui.
C'est électronique. Oui. C'est pour écouter la musique ? Non. C'est pour téléphoner. Pour regarder la télé ? Non. C'est un iPhone ? Non. C'est pas un téléphone du coup ? Oh, j'ai une caméra photo, appareil photo. Qui c'était ? Je sais même pas moi. Moi pour moi c'est encore Dobby. Il y avait 1 milliard de kills. Non, c'est pas moi. Dobby, non, c'est pas. Mais du coup c'est bien parce que même quand t'es maître du jeu, tu sais pas qui c'est. Moi ouais, je pense que c'est Meitou. Pour moi c'est pas Arman. Bah non, c'est pas pour moi. C'est Arman. Putain, l'enculé. Oh l'enculé. Bien joué. Posez les questions pour moi. Bien joué. 400 points, il est premier, hein, le con. Mais vas-y, je suis encore chercheur. Allez-y, les enfants. Les gars, c'est Mathis Imposteur. Est-ce que c'est vivant? Oui, bien sûr. C'est un objet? Non. Super. Est-ce que c'est un mot? C'est une lucarne. Est-ce que c'est un lien avec la médecine? Non. Est-ce que c'est du coup, est-ce que c'est un lieu? C'est un pays. C'est un lieu, oui. C'est sur Terre. Sur Terre? Oui. Est-ce que ça coûte cher d'aller voir ce lieu? Oui. On peut y aller? Est-ce que c'est un monument? Mais c'est pas un lieu de base. Est-ce que c'est une activité? Non. Est-ce que ça sert à se déplacer? Non. Est-ce qu'on a tous été voir ce truc ou pas, ce lieu? Non. Est-ce que quelqu'un ici l'a déjà vu? Enfin, est-ce que je l'ai déjà vu? Est-ce qu'il y en a un Rennes? Oui. Mais c'est pas un lieu de base. Mais comment ça peut être un lieu sans être un lieu? Vas-y, c'est un lieu, oui. Du coup, quelqu'un l'a déjà vu? Oui. Il y en a beaucoup? Non. C'est une ville? Oui, c'est unique? Non, oui. C'est une ville? Oui. C'est une capitale? Non. Ah, c'est unique, c'est pas une ville, ok. Ah, c'est pas une ville? Non, c'est unique par contre. Les quatre trucs. C'est sur une carte? Non. Est-ce que c'est historique? Oui. Est-ce que c'est un monument? Non. Est-ce que ça existe encore? C'est un événement? Bah, il n'existe plus. C'est quelque chose d'ancien? Ouais. Il y a eu en France? Mais comment on a pu déjà le voir si c'est un truc ancien? Bah, dans les livres. Est-ce que ça concerne l'histoire? Oui. Est-ce qu'on l'a déjà vu en vrai? Je pense pas. Ça a été détruit? Non. C'est un monument d'histoire? Non. C'est un événement du coup? Non. Ça n'a jamais existé? Si. Ok. Attends. Je comprends rien gros. Il est compliqué en vrai. Est-ce que c'est... Mince. C'est un humain? Oui. Ok. Est-ce que c'est un personnage de guerre? Non. C'est un humain qui est mort. Est-ce que c'est un président? Non. Est-ce que c'est un roi? Non. Est-ce qu'il a vécu il y a plus de 1000 ans? Non. Est-ce qu'il vit encore? Non, il est mort. Ah, c'est un humain qui est mort? Ouais. Est-ce qu'il a vécu il y a plus de 500 ans? Non. Il y a plus de 100 ans? Est-ce que c'est un type de personne? C'est comment? Non, pas un type. Ok. Est-ce que c'est... Enfin, c'est... C'est une personne bien précise, en fait. C'est pas un grade? Oui. C'est une personne connue. Trouver son nom, quoi. Oui. Connu dans la politique? Non. Connu non. Pour la guerre? Il a. Mais tout, c'est un de ses infiltrés, non. Les gars. Bah, non, et oui, non. Je vois bien la carte aussi, là. Est-ce que c'est Papsan? Non. Attends. Est-ce que. Putain, j'ai plus de questions. Du coup, c'est un. Oh, mais c'est un monument ou c'est quelqu'un? Je comprends pas. Mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Sinon, j'arrête de poser des questions comme ça. Le prochain qui met, il a perdu au pire. C'est avec le timer, donc. Okay. Est-ce que. Putain, est-ce que du coup le. C'est pas un président de la République? Non. Non. Est-ce que cet endroit est lié avec le décès de quelqu'un? Non, c'est pas. Est-ce que c'est un français? Son nom a été porté. Est-ce que c'est un français? Ouais, ok. Non. Un allemand? Non. Un anglais? Attends, en fait, c'est un mot? Non. Un américain? C'est un sportif? C'est un africain? Non. C'est un chinois? Un argentin? Non. Un argentin? Coup, c'est un mec qui vit en Europe. Oui. Okay. Est-ce que c'est Europe un Allemand de l'Est, de l'Ouest, Europe de l'Est? Et il vous manque un pays, franchement. Est-ce que c'est en Allemagne? Non. En Espagne? En Suisse, oui, Espagne. Bah frère. C'est le roi d'Espagne? Non. Moi je connais pas les mecs. Et il est connu? De fou. Mais il est connu. Il est connu au sport? Non.
Au foot? Enfin, pardon, en politique? Non. Bah, attends, en chanson? Non. En acteur? Non. C'est artistique? Est-ce qu'il a trouvé les États-Unis? Non. C'est artistique? Oh, oui. C'est de la peinture? Oui. Ah, place Picasso. Ouais, puis... Oh, bordel. Ouais, j'ai lieu. Il a attendu 4 gars. Je vois pas Arman sortir Picasso, les gars. Il sait même pas qu'il est espagnol. Mais j'avais pas entendu. Mais t'as dit artiste. On avait tout dit. T'as dit artiste. Bah pourquoi tu poses pas de questions et tu lui dis pas genre est-ce que c'est un peintre et tout. Allez, Alex. Alex, c'était déjà la dernière question. Je l'avais dit. Il y a aucun lieu qui s'appelle un Picasso. Mais Mathis, je l'avais dit. En fait, il y a beaucoup de lieux. Putain, c'est Mathis qui gagne. Ah, j'en parle de Picasso, les rues, tout ça. Et le jeu, il est trop bien. Merci, Arman. Ouais, il est bien joué. Allez, une dernière. Allez. Vas-y, ça marche. Vas-y, c'est un objet, Matt? Non. C'est un humain? Non. Bon, un lieu? Putain, à chaque fois, vous bloquez sur... Ok, c'est pas un lieu. Est-ce qu'il y en a en France? En France, je crois qu'il n'y en a pas. Okay, on peut le toucher? Oui, tu peux le toucher, oui. Ok, on l'a déjà vu. Je te déconseille. Oh, est-ce que c'est un serpent? J'espère pas. Est-ce que c'est chaud? Non. Putain, est-ce que c'est froid? Bah non, ça dépend si c'est chaud ou c'est froid. C'est... Ça dépend. Est-ce que c'est... Mince. C'est matériel? Qu'est-ce que t'entends par matériel? Est-ce que c'est un élément? Ouais. Oui, c'est un élément, ouais. Est-ce que c'est la fusion de deux choses? Est-ce que si on touche, on meurt? Est-ce que c'est naturel? Vérifie bien, Mathis, si tu touches, tu... Bah, c'est dur. Oui, tu peux mourir, oui. Vérifie bien les réponses, Mathis, si on n'a pas dedans. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est naturel, oui. Est-ce que c'est lié à un animal? Non. Est-ce que c'est lié à un végétal? Météo? Non. Oui, ouais, un peu météo, ouais. Est-ce que c'est lié à la pluie? Non mais oui. Est-ce que c'est lié au tremblement de terre? Oui. Bah c'est un volcan frère. Est-ce que c'est... Putain je pensais que j'avais... C'est français, c'était moi, j'ai écrit séisme au même moment. Pour moi c'est Miku. Attends. Pour toi c'est Miku? Alex, par rapport à ce que j'ai vu. Alex c'est quoi ton les truc? Mots et tout. De quoi c'est quoi mon truc? C'est quoi, bah, pourquoi j'ai t'as mis ça au volcan? Pourquoi j'ai mis ça? Bah parce qu'il a dit En vrai il a dit catastrophe naturelle, c'est limite ça. Parce qu'il s'est écrit sur son écran qu'il a mis ça. Non, pour moi, il est pas infiltré. Attention, les gars. Non, pour moi, il est pas infiltré, c'est Miku. Let's go! Mais putain, c'est trop dur, j'ai juré, c'est dur, les gars! Ouais, donc Miku, t'étais vraiment juste à côté sans la voir. Bah ouais! Putain! Il a tapé tsunami, c'est passé comme ça. Avant, j'avais mis gaz, j'avais mis feu et tout. Vas-y, j'en ai marre de chercheur. Arman, c'est un objet? Oh merde! Arman, c'est un objet? Oui. Ok. Est-ce que ça s'achète? Oui. C'est en grande surface? Oui. Je peux en trouver à Carrefour? Hein? T'as dit quoi? Je peux en trouver à Carrefour? Oui. Ça se mange? Est-ce que c'est un aliment? Non. Est-ce que c'est dans la cuisine? Non. Est-ce que c'est pour le plaisir? Oui. C'est électronique? Est-ce qu'on en a chez nous? Oui. C'est électronique? Non. J'ai ça dans ma chambre? Sûrement. C'est utile? Est-ce que je m'assois dessus? Oui. Putain, j'ai ça dans ma cuisine. Non. Je m'assois dessus? Ok, donc j'ai pas dans ma cuisine. Possible. C'est pas possible. Est-ce que j'ai dans ma salle de bain? Je vais tout lui demander. Peut-être, mais je pense pas, non. Attends, mais du coup, tu m'as. Est-ce que c'est pour poser des choses? C'est pour? Pour ranger. Vous ne rêvez pas? Non. C'est qui qui a dit ça? C'est Elliot, il joue plus du tout. Non, si je suis là, les gars. Non, non, il est sur TikTok depuis tout à l'heure. Est-ce que Valouz en a? Oui. Est-ce que j'en ai? Oui. Est-ce qu'on en a tous dans le channel ici? Oui. Est-ce que c'est dans une chambre? Est-ce que ça se porte sur nous? Oui. Ah. Est-ce que ça se porte sur la tête? Ah, attendez, je regarde vite fait ce que vous avez écrit, excusez-moi. Est-ce que c'est un vêtement? Oui. Est-ce que ça se porte sur la tête? Non. C'est plus pour femme? J'ai pas entendu. C'est un caleçon. En haut du corps? Putain, mais jamais t'écris pull, frère. Jamais t'écris pull. Bah si, tous les jours. Moi, il est infiltré. Bah jamais de la vie, frère. Pull comme ça. J'ai un caleçon, j'ai même mis string, gros. Jamais t'écris pull, il a infiltré. C'est Valouz, l'imposteur. Let's go!
J'avais dit pas infiltré. Mais c'est trop dur, hein. C'est trop dur. Mais moi, je croyais que le maître du jeu savait qui était imposteur. Non, non. Lucas, c'est un objet ? Non. C'est un animal ? Non. Est-ce qu'on l'a déjà vu ? Pas en vrai. C'est vivant ? C'est vivant ? À la télé, genre ? Oui, c'est vivant. Vraiment c'est vivant ? Genre, on peut en voir dehors ? Non. On peut en voir à l'intérieur ? Chez nous ? Non. Est-ce que ça a des pattes ? Dans la mer ? Oui et non, Dob. C'est un animal ? Non, c'est pas un animal. Ouais, oui, mais non. Enfin... C'est dans l'eau ou pas ? Non, c'est pas dans l'eau. Est-ce que c'est un animal de dessin animé ? Oui, ça existe, Dobby. Ah, c'est un humain ? Ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Et oui, c'est humain. C'est dans les airs ? Donc c'est un animal humain qui existe. C'est dans les airs. Bah, en fait, comment s'appelle le cheval avec le truc de... Un humain, c'est un animal. On s'écrit Centaure. Un humain, c'est pas comme je l'ai écrit. Ça a jamais existé, Centaure. Ah oui, mais je suis con. Je l'ai mis aussi, en plus. Moi, j'ai mis une licorne. Centaure, S-A-N-I. Putain, c'est dur, les gars. Donc, c'est humain. Oui, oh, attends, il a dit que c'était un... Putain, je pensais que c'était une sirène. Oh, bah non, je suis con, ça existe pas. Putain, je suis trop con. Regardez le Valouz l'infiltré qui fait des trolls. C'est une personne, du coup celle-là. C'est une personne ou pas? C'est pas une personne. Est-ce que je peux l'être? Non. Est-ce que si demain je prends une voiture, je peux en voir un? Ou une? Non. Est-ce que tu nais comme ça? C'est plusieurs personnes, du coup. Est-ce que tu nais comme ça? Oui, c'est plusieurs personnes, Mathis. Ah, c'est plusieurs personnes. Ah, donc c'est genre... Donc ça concerne des humains et autre chose? Non. C'est que des humains. C'est plusieurs humains. C'est genre des... Comme des Français. Un animal, c'est un humain, du coup. Comme des Français, c'est un humain. Non, un humain, non. C'est un animal, oui. Bah non. C'est comme des Français, genre c'est un animal, c'est un être vivant, frère. Est-ce que c'est un animal? Non. Non, c'est plusieurs humains. Voilà, c'est plusieurs humains. C'est comme des Français, c'est un regroupement de personnes. C'est un groupe? C'est un regroupement de personnes. Ils font quoi, ces personnes? Bah, je te dis pas, frère. Est-ce que c'est un truc, une activité? Non. Est-ce que c'est une visite? C'est un pays? Non. Ils sont connus, ces personnes? Oui, ils sont connus. Ils sont connus en France? Oui. Que en France? Mais... Je pense que oui. C'est un chanteur? C'est un groupe de chanteurs? Ou peut-être en Belgique, enfin, pays francophone. Oui, c'est chanteur. C'est plusieurs chanteurs? Oui. C'est un groupe? Ah, c'est un groupe de chanteurs ensemble? Oui, c'est un groupe. De rock? Non, pas de rock. C'est du rap? Oui, c'est du rap. C'est du rap qui est encore existant? Section d'assaut. Putain. Mais quoi, il trouve tout, il rend fou, frère. Trop sur mon dos, les frères. Mais qui sort NTM, gros? Mais putain, j'avoue, t'es trop fou. D'où tu sors NTM? D'où toi tu sors NTM? D'où toi? Tu trouves tout, Mikou, là? T'es suspect. Bah oui, je suis fort, j'ai plus rien. J'ai pas son tort. SAM, frère. Ils sont en CP dans les commentaires, écrivez à tout le monde qu'un humain c'est un animal. Tu savais que le premier qui sortait NTM il était mort. Mais non, mais un humain c'est pas un animal, frère. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Dobby, ça va réviser tes cours de science. Un humain c'est un être vivant, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas un humain, un humain c'est un humain. Un humain c'est une race d'animal. C'est un objet ou pas? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est pas une race d'animal, toi. Qu'est-ce qu'il me dit, ce fou? Sinon, on peut chercher le mot ou. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est un. C'est un objet? Un objet? Oui. On peut l'acheter? Oui. C'est on l'a chez nous? Alors, c'est pas cher et oui pour Val. Est-ce ça se que mange? C'est un... Oui. Val, il l'a chez lui et pas nous? Non. Ok. C'est pour on faire de la cuisine? Non. Attends, ça se mange? On doit se nourrir avec? Non. Ah donc, c'est pas fait pour se manger? T'en manges souvent? Moi, oui. Mais c'est un truc qui se mange ou c'est un truc qui se mange pas? J'ai tapé chorizo, gros. Ça se mange? Attends, mais il a dit ça se mange pas, mais lui, il le mange. Ah, donc ça se mange pas, mais on peut le manger. C'est les crottes de genre? Le petit chicken. On en a fait, ça. Non, attends, Dobby, ça se mange pas, mais on peut le manger. Ouais. Mais ça s'achète en magasin? Oui. Attends, oui, quoi? C'est sexuel ou ça s'achète en magasin? Ah, je sais pas comment on écrit, mais est-ce que c'est les chewing-gums? Moi, j'ai écrit déjà. Oh, juste. Mais tu sais qu'en vrai, parfois, faut pas oublier de regarder. Hein, parce que moi, j'avais oublié de regarder les mots. Est-ce que tu manges des cartes mères?
Non. Est-ce que mon père, il peut en manger? Oui. Est-ce que MJ, il peut en manger? Est-ce que ça se mange tout seul? Non. Hein? Mais attends, mais un truc qui peut se manger, mais qu'on doit pas manger. C'est un condiment? Ça doit être préparé? Non. Eh, t'as pas répondu pour MJ s'il a le droit de le manger ou pas? C'est de la bouffe, il le mange, MJ. Non, si le daron de Valouz, il mange. Je t'ai dit non, je t'ai dit non. Ah bon? Est-ce que c'est bon? Attends, non. Ça se mange c'est ou ça pas se bon? Ça se boit? Oui et non, on va. Ça a pas trop de goût? Si. Ça se boit ou pas? Non. Quand tu le manges, tu fais une grimace en mode. Oui. Et pourquoi t'en manges toi alors? Ça m'arrive, ça m'arrive. Je fais pas exprès. Tu fais pas exprès. C'est des crottes de nez. Non, mais tu peux en acheter en magasin, les gars. Comment ça, il fait pas exprès? Attends, je suis perdu là. T'achètes un truc, tu fais pas exprès de le manger. On a déjà mangé au local? Non. En vidéo? Chez toi, t'en manges souvent, non. T'as dit, mais tu fais pas exprès. J'ai pas dit mais souvent. Ça se mange plus que. Mais ça a une autre utilité que manger, du coup, si oui, ça se mange. Oui, oui. Bah ouais, je suis perdu là. Du c'est coup. Un zizi. Mais c'est oh pas. Ça se mange pas. Voilà, dites-vous, ça se mange pas. Bah attends, les gars, dis ça, il reste 100 secondes. Mais non, mais les gars, à un moment, je vais. Sinon, je vous aurais. C'est genre un truc que tu mâchouilles, quoi. Est-ce que, par exemple, je prépare un steak, est-ce que je l'utilise? Non. Mais moi, je c'est un ustensile. Est-ce que. Putain, je sais pas. Mais y a l'imposteur là, il veut pas dire des trucs? C'est un truc que tu mâchouilles. Non. Mais du coup, tu le mets dans la bouche ou ailleurs? Oui, tu le suces. Tu le suces. Tu le mets dans la bouche? Oui. C'est Meitou, c'est Meitou, les gars. Attends, ça se mange ça? Putain, mais Miku, tu rends fou, putain, Miku! Miku, pas à moi, Miku! Bah, frère! C'est Meitou. Ah ouais? Écoutez le maître du jeu. Pourquoi? Mais j'ai fait quoi, moi, encore? Mais les gars, il se serait énervé si c'était pas lui qu'on a dit. Mais j'étais j'ai voté contre moi-même. En fait, je réfléchissais vraiment à des trucs en mode. C'est Meitou parce que il a jamais parlé de toutes les autres games, mais là, il s'est mis à parler, il a jamais rien écrit comme message. Pour moi, c'est Meitou. Ah, j'avais pas. Il a écrit Caca Chorizo. Du coup, tu penses vraiment que c'est moi? Non, j'ai pas fait exprès. Oh là là là. Très bon maître du jeu. Je suis encore cherché. Ouais, je suis maître du jeu. Oh, vas-y, venez, on kiffe pour moi. Est-ce que c'est vivant? Un lien avec la médecine? Est-ce que c'est vivant? Ça peut avoir un lien avec la médecine, oui, je crois. C'est un objet ou pas? Ah ouais? Il est trop content. Là. C'est un objet, ouais. Est-ce que c'est vivant? Ouais, c'est un objet. Est-ce que ça s'achète ou pas? Ça s'achète, oui. Ok, est-ce que c'est moins de 1000 euros? Les prix varient. Est-ce que ça s'achète en grande surface? Est-ce que c'est une seringue? Attends, faut que je vérifie le truc, mais attends. Ah oui, il connaît même pas le mot. Attends, le mot avec. C'est un mot pas commun? Attends, non, en vrai, c'est pas forcément commun, non. Ah ouais, bon. Est-ce que c'est dans un hôpital? Ça peut être dans un hôpital, oui. Est-ce que c'est grand? Ça, c'est la taille varie. Est-ce qu'on le porte? Ça se mange ou pas? Non, c'est un pénis. Non, c'est pas un pénis. Est-ce que les vannes de Lucas sont un peu lourdes et chiantes? Est-ce que c'est lourd? Oui, ça pèse ton poids quand même. Ça pèse ton poids. Toi, t'arrives à le porter? Oui. Un pack d'eau? Non. C'est pas une boisson ou la nourriture. Est-ce que ça s'achète en grande surface? Non, il a dit que c'était pas si comme ça. Il a pas dit. Bah, en fait, si, ça peut s'acheter en grande surface, oui. Est-ce que c'est électronique? Est-ce que t'en as déjà acheté? Moi, non. Est-ce que j'en ai déjà acheté? Toi, c'est possible, Dobby, oui. Est-ce que Dobby peut arrêter de poser des questions pour que les autres puissent poser des questions? Ouais. Est-ce que c'est électronique? Je peux pas ça répondre, je sais pas. Oui, comment oui. Ça, tu oui. Sais pas, frère. Bah, oui et non, il y en a qui sont. Qui peuvent être écran, électroniques et d'autres non, quoi. Non, c'est pas un écran. Est-ce que c'est un lien avec un ordinateur? Il a un lien avec l'ordinateur, mais pas forcément tout le temps. Mais avec l'ordinateur, tu as un lien avec le truc. Il y a aucun mot qui ressort qui est. Ça, je comprends rien, les gars. Vérifie bien les mots, mais tout. Les gars, le maître du jeu, c'est le mec le plus con au monde. Mais non, gros, mais non, mais la tête d'homme. Est-ce que c'est par rapport à Internet? Non. Est-ce que c'est non. Vieux? Non, c'est pas vieux. Genre, est-ce que tu branches l'objet à l'ordinateur? Tu peux brancher l'objet à l'ordinateur, oui. En USB? Est-ce qu'il faut qu'il soit branché à l'ordinateur pour que ça marche? Non. Pour le charger ou pour qu'il fonctionne? Non, mais tu peux l'utiliser en le branchant et sans le brancher. Mais, ok. En USB? Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que ça se tient dans sa main?
Tu peux le tenir dans une main, oui. Mais c'est quand même lourd. Hein. C'est, oui, c'est lourd, oui, ça, ça pèse son poids. Mais c'est pas non plus des kilos, des masses. Hein. Et sur l'ordi, tu t'amuses avec? Non, c'est pas un objet pour s'amuser. Oh, je suis débile, j'ai écrit aspirateur, mais tu mets pas un aspirateur sur un ordi. Non. Il est dans ta main. Est-ce que ça... Chaud. Ah, mais non, c'est pas ça, Alex. Est-ce que... Moi, j'en ai un? Je pense pas, non. Non, mais non, il a dit que j'en ai peut-être acheté, moi, les gars. Est-ce qu'il y en a un au local? Non. Est-ce que l'un de nous, ici, en a forcément acheté? Non. Ok. Est-ce que ça sert pour une situation précise? Oui. Ouais, mais comment ça s'appelle? Est-ce que c'est pour s'amuser? Non. Est-ce que c'est pour... électronique? Non. Est-ce que c'est pour sauver la vie? Ouais, voilà. Je pense qu'en vrai, oui, ça peut sauver la vie, oui. Ah, putain. Est-ce que c'est un défibrillateur? Non. J'entends ma besoin? Oh, est-ce que c'est un médicament? Il y a des gens qui en ont besoin, mais pas forcément d'autres. Un médicament, tu le branches pas à ton PC? Non, c'est pas un médicament. Comment ça s'appelle? Une ventoline? Est-ce que... Mince. Est-ce qu'il y a une aiguille? Non. C'est pour tester la pression artérielle? Ah ouais, c'est ça, je pense. Hein? Est-ce que c'est un pacemaker? C'est quoi un pacemaker? Une batterie qu'on met dans le cœur. J'en ai acheté un, les gars. Et on peut en avoir dans notre maison? Bah, tu peux en avoir, en fait, c'est accessible à tout le monde, oui. C'est un truc pour la tension? Non. C'est lié à la médecine? Oui. Est-ce qu'il faut être adulte pour s'en servir? Ah, non, c'est pas tout le temps lié à la médecine, mais ça peut être lié à la médecine. Est-ce qu'il faut être adulte pour s'en servir? Non, les jeunes le font aussi. Ah ouais? Genre tous les jours? Non, pas tous les jours, à des occasions. Est-ce que ça sert à un humain? Oui. Ok, c'est par rapport au poids? Non. Est-ce que tu peux capturer des moments avec? Non, ça sert à rien. Ah, j'avoue, un scanner. Non, c'est pas un scanner. C'est chaud, frère. Je trouve pas, moi je bloque, les gars. C'est chaud de zinzin. Il doit taper des barres, l'imposteur. L'infiltré, il est en pleine. On rigole. De toute façon, l'infiltré, s'il donne pas de mots, il a perdu. Je crois qu'il perd, ouais. Il perd donc. L'infiltré, donne un indice, mais tout. Non, pas d'indice, c'est 20 secondes. Bah oui, mais c'est à l'infiltré d'essayer de. Ah oui, sinon il l'a perdu. Vas-y, est-ce que je sais pas. L'infiltré, il est biaisé. Tu paniques? Bah non, mais il aurait trouvé, frère. 10 secondes, l'infiltré va perdre. Ouais, c'est trop dur, gros. Mais quoi? Comment tu veux que je trouve ça? Microscope, c'est chaud. Tu pouvais l'acheter au marché. Mais gros, dis-ce que ça a un rapport avec la médecine? Il me dit non, lui. Mais si, j'ai dit oui, ça peut avoir un rapport. Tu dis peut pas que. Bah oui, pas que. C'est pas que de la médecine. Si, c'est que ça. C'est vrai, microscope, c'est pas que de la médecine. Mais n'importe quoi, c'est pas que la médecine, le microscope. Mais non, mais principalement, mets-nous pas en bateau, trou de balle, va. Eh, venez, on a fait une DR de DR. Vas-y, une DR de DR, mais moi, je suis chaud qu'on enlève Maïtou de la game. Mais c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est vivant? C'est le maître du jeu. C'est vrai. Non. Est-ce que c'est un objet? Non. Un lieu? Ok. Non. Est-ce que c'est... On peut l'acheter? Oui. Est-ce que ça coûte cher? Attends, mais c'est pas un objet, on peut l'acheter? Bah, y a l'air. Est-ce que c'est motorisé? C'est un service? Non. Ah, est-ce que c'est un service? Est-ce que ça se mange? Oui. Est-ce que ça se mange? Oui. C'est de la nourriture? T'as dit que c'est pas un objet? C'est pas un objet. Est-ce que c'est genre un objet précis? Non, mais attendez. Ou est-ce que c'est un regroupement d'objets? Non, c'est un objet, mais un truc qui se mange, c'est pas forcément un objet, si? Non, mais pas un objet, mais est-ce que c'est un truc précis? Ou est-ce que, genre, par exemple, un citron, ou est-ce que c'est plus fou? Ah, bah, si c'est palpable, c'est un objet alors. Est-ce que c'est un aliment? Oui. Est-ce que ça se met dans le frigo? Ça dépend de... Est-ce que ça se cuisine? Oui. On a mis œuf tous les deux, gros. Ah, ben, est-ce qu'on doit normal. Le cuisiner? Non. On peut le manger comme ça direct? Oui. C'est pour le soir? Ah bah tiens. Ouais, moi j'y crois. Moi je sais pas. Allô, tiens. Non, en vrai, j'y crois pas fait. C'était le plus. En vrai, les gars, j'y crois, moi. J'ai même pas. Moi, je pense que c'est Dobby. Moi j'y crois, les gars. C'est un fruit, j'étais moi, en train de taper. C'est pas moi. Moi je pense que c'est Alex. En vrai j'y crois. Alex, c'est mort. Il y a 5 votes, c'est mort. Mais vas-y, moi j'y crois en vrai. Moi j'y crois, Mathis, voilà, mais c'est pas moi. Mais du coup, les gars, c'est qui? Alex, il a rien dit. Pas un mot. Vas-y, moi je vote Valouz. Non, je dis Alex. Il a voté un pote de famille, il a pas honte. Valouz, il est dans la méta en mode je dis rien. Ils sont pareil. Moi j'ai voté Val. Bah, vous allez être déçus, moi j'ai voté Dobby. Moi je dis que c'est Dobby, les gars. C'est Dobby Elf. Mec, j'ai testé œuf, moi. Let's go! Mais je vous ai dit, c'est Alex, il a rien dit, bâtard!
Je savais même pas qu'Alex y jouait. Va lui dire ça par contre. Ah, je te jure. Ok. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est un lieu? Oui. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un lieu pour le plaisir? Oui et non. C'est un pays? Non. C'est une ville? Non. On va en vacances? C'est dans une ville? Non. C'est un monument? Non. C'est dans le nord ou dans le sud? Les deux. C'est le soleil? Bon. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui. C'est sur la Terre? Oui. En France? Oui. À Rennes? Oui. Uniquement à Rennes? Non. Est-ce que c'est festif? Non. Venez, on tente, on dit plus rien, genre juste on met des mots. Ça se touche? Bah ouais, mais on est obligé d'avoir des infos. Ouais, j'avoue. Et bizarrement, ah, t'as mis place aussi, wesh. Est-ce que c'est... Ça se touche, oui. Est-ce que c'est Armand l'imposteur? Un monument, non. Est-ce que c'est grand? Oui. Il y en a qu'en France? Non. C'est lié à un sport? Non. Mais c'est un lieu, c'est ça? C'est... En fait, c'est quelque chose qui prend de la place. Oui. Mais c'est pas un objet. Non. Est-ce qu'on en a une? Est-ce que ça peut faire genre 100 mètres carrés, 3 pièces? Est-ce qu'on en a un? Est-ce que c'est féminin? Non. Est-ce que c'est masculin? Oh, on n'a jamais posé cette question. Est-ce que ça commence par un A? Non, c'est jamais le cas. Ça commence par un A? Non. Est-ce qu'on en a besoin pour vivre? Oui. Est-ce que c'est une maison? On en a une, du coup. Non. Est-ce que c'est plus gros qu'une maison? Oui. Est-ce que c'est un bâtiment? Oh. Est-ce que c'est dur? Non, compliqué à répondre. Est-ce que c'est construit? Oui. Est-ce que on c'est naturel? Oui aussi. On peut le toucher? Non, c'est compliqué à répondre. C'est de la terre? Oui. On peut toucher? Oui. Il y en a à la plage? Non. Il y en a que dans la ville? Non. Est-ce qu'il y en a dans mon jardin? Il n'y en a pas dans la ville? Non, je sais pas. Non, pas en ville. Il y en a dans... Ah, t'as dit, il y en avait la reine. Attends. Ouais, je comprends plus rien. Tu peux regarder les réponses, vite fait? Il n'y a rien du tout? Bah, je sais que... Je... Est-ce, non, que, est-ce qu'on peut mettre des animaux? Oui. Oh. Ouais, je suis dingue. Mathis? Quelque chose à dire? Mathis, quelque chose à dire? Non, mais je peux plus parler, monsieur Vendaronet. Oh non. C'est la vérité. Et oui, il l'a marqué dans le chat, je l'ai vu. Ah mais frère... Infiltré. Moi j'ai dit animaux, il aurait dit prairie, tu vois. Ah ouais, bah oui, t'aurais dit prairie, bah oui. Ça vas-y, vas-y, putain, j'allais appuyer sur vas-y, entrée. Les gars, la merde, j'allais appuyer sur entrée, je vois bam. Je suis oh le bâtard. Attends, mais du coup, vous êtes trompé. Vous avez donné le point à Valouz, vous avez dit que j'étais imposteur. Bah oui. Ouais. Vous abusez. Ok, c'est un objet, Mathis. Bah, tu t'es pas défendu, Mathis. Mais Mathis, il peut pas parler, les gars. Putain, n'empêche, j'allais appuyer sur rentrer, t'as mis au même moment. J'avoue, l'imposteur, il est pas chaud pour mettre le mot, vu que Mathis, il peut pas. Non, c'est bon, je parle doucement, c'est tout. Vas-y, prévu. Vas-y, c'est un objet? Non. Un verbe? Un animal? Non. Animal, non. Verbe? Non. Ok. Ça, on peut l'acheter? C'est une plante? Non, pas une plante. C'est dans l'air? C'est pas végétal, quoi. Non. Est-ce que c'est un lieu, encore? Non. Mais on peut le toucher? Non. Une activité? Ouais, mais un peu plus que ça. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que t'en as déjà vu? Non. Un événement? Oui, j'en ai déjà vu. Non, c'est pas un événement. Est-ce que t'as déjà été? Oui. Est-ce que c'est amusant? C'est le JP Explorer? Non. Est-ce que c'est un métier? Oui. Ok, est-ce que c'est un métier qui paye très bien? Non. Genre moyen, genre 2-3 000. Ouais, bien, mais... Bien lobby, il a mis le policier. Il a raison. Est-ce que c'est un métier commun? Ouais. Est-ce que c'est... Oui, c'est utile, oui. Est-ce que... Oh. Ouais, c'est chaud. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur parce qu'en fait, j'ai vu Dobby mettre policier et tout. Là, les gars, c'est vraiment très, très dur. Pour moi... Ah putain, il y en a, ils ont des mots simples, quand même. Est-ce que ça serait Dobby l'imposteur, du coup?
Bah en vrai, il y a moyen que c'est Dobby, hein, ce qui met les gars, écoutez pourquoi. Vrai, a dit, est-ce que ça a déjà été pour toi? Et je sais que Mathis, il était un peu dans cet esprit-là, gendarme, pompier, enfin gendarme, policier. J'aurais mis pompier direct, hein. C'est bien. Il était déjà dans ce délire-là. J'ai rien compris. Donc Lucas moi, et Alex. En gros, c'est pas moi. Il a rien à dire. Eh les gars, le problème c'est que ça peut être MeToo, mais frère. C'est Lucas. J'ai trop faim. Moi j'ai mis non. Non, j'étais chercheur. Moi je pense à Alex. Non, c'est pas moi. Je revois là. Tu dis rien, frère. Mais je parle là. Là oui, mais pendant mais les non, ça sert à rien, les gars. Tu peux voter. Vas-y, mais non. C'était Lucas tous les coups. Arman, il faut que tu votes le dernier. Ça changera rien, de toute façon. Ça changera rien, mais oui ou non. Ouais, voilà, putain. Putain, fais chier. On aurait dû le mettre. J'en ai marre des chercheurs. Ouais, vas-y, aussi. C'est. Arman, c'est un objet? Non. C'est un animal? Non. Vivant? Super. Oui. Masculin? Oui. Un homme? Oui. Connu? Oui. Il est mort? Imprécis? Bah vas-y, Valouz. Arman, il est mort. Il y a tout qui s'enchaîne, frère. Vas-y. Arman, est-ce qu'il est mort, le mec? Non. Est-ce que non c'est Valouz? Non. C'est un français? C'est une star? Oui. Il est français? C'est un chanteur. Ouais, artiste? Non. Sportif? Est-ce qu'il est français? Français. Non. Pas français. Sportif? Je fais pas de foot. Non. Politique? Oui. Président? Oui. Ouah. Ouah, frère, étranger. Les gars, écoutez. Président étranger. Bah, frère, c'est le plus grand pays. Moi, je mets oui. Moi, je mets oui. Non. Ah, putain. Moi aussi, je mets oui. Let's go! Oh, la batte. Les gars, c'était bidon, là, en vrai, de vrai. C'est dur. Quand même, t'as été rapide. Par contre, je réponds vite. Let's go! Putain. T'es un objet, Dobby? Vivant. Alors c'est un objet du coup et c'est pas vivant. Ça se tient dans la main. Ça peut se tenir dans la main. Je vais pisser, je reviens. Okay. Est-ce que ça coûte cher? Non. Non. Ça se mange? Ça se mange. Hein. Est-ce qu'on en a tous à la maison? Non. C'est bon? Oui. Ok. Est-ce que donc ça coûte pas? Est-ce cher, que c'est un donut? c'est une recette? Ah ouais, bah oui. Ou c'est, quoi, c'est un aliment? Bah oui, du coup. Ça a besoin de préparation. Cas. Oui. C'est meilleur oui, en recette. Oui, Lucas l'a infiltré. J'avoue, bah... il a mis fruits, légumes, viande, poisson, frère. Oui. Voilà. Enfin, j'ai pas entendu ta question. Tu m'as dit est-ce que c'est spécialité bretonne? Non. Est-ce que j'en ai mangé cette semaine sûrement? Un truc commun, quoi. On en mange régulièrement? Non, c'est pas commun. Non. Pas commun. Est-ce que c'est une spécialité? Non. Est-ce qu'il y en a en France? Oui. Est-ce que ça coûte cher? Non. Il y en a beaucoup en France? T'as dit quoi? Est-ce que ça se mange tout seul? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Ouais, je pense. Voilà. Est-ce que ça se mange tout seul? Ça peut. Est-ce que c'est le thème d'un restaurant? Non. Est-ce que tu le manges à une occasion précise? Pas que, mais oui, particulièrement. Ah ouais? Oui, oui, mon infiltré. Est-ce que c'est Lewis Hamilton? Est-ce que je le mange plutôt avec une pochette? C'est trop bon, le dos de lampe. Ou à la main? Non. Non. À la main, du coup? Non. Ah, merde. Hein, ah non, et à la fourchette? Non. Ça se boit? Non. Est-ce que j'ai besoin de le couper en petits bouts avant de le manger? Non. Attends, tu le manges comment, du avec coup? La si cuillère, tu c'est un dessert? Ah oui, voilà. Putain, ah, c'est un dessert. J'avoue. Non, c'est pas un dessert. Ah, c'est un dessert. Mais ça se mange à cuillère. Non, c'est pas un dessert. Ça se mange à cuillère. Oui. C'est liquide? Non. Est-ce qu'on en mange tous? Non. Enfin, Est-ce que du coup, ça se mange au milieu du plat? Donc, c'est un plat? Non. C'est une entrée? Est-ce que c'est une entrée? Non. C'est un dessert? Est-ce que c'est un fromage? Non. Ouais. Mais c'est pas un dessert? Non, c'est pas un dessert. Un petit déj. C'est un plat alors? Oui. Petit déj? Oui. Un chocolat chaud? Confit. Ah, oh, c'est dur parce que c'est possible. Petit déj, je mets pas confiture direct, gros. Je mets beurre, Nutella. Moi, j'ai mis beurre, Nutella, oui. Non, mais de toute façon, petit déj, il avait déjà écrit avant. Voilà, avant moi, je pense que c'est moi l'imposteur. C'est la base. Confiture, c'est la base. Qu'est-ce que tu penses du jeu? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un infiltré. Tu penses qu'un infiltré? C'est qui avant l'infiltré? Lucas ou Arman? Je pense à Arman. Mais je suis pas sûr, mais je dirais Arman, oui. Il a dit que. Je me fais confiance. Je suis ton call. Non, putain, yes! On l'a eu! Bon, on l'a eu, gros! Il a fini la 0 points! Il est trop nul!